c'est mon fils. C'est par ces remerciements que Daniel Isakitoa a félicité Ramsès Bongolo, promoteur du Grand Prix culturel de la maison d'édition Alliance Congo, qui s'est tenu le 7 février 2024 à Brazzaville. Daniel Isakitoa a glané le prix de la conservation du patrimoine culturel à travers son ouvrage « Kébé Kébé, saisir l'image ». C'est un gros hommage. Il y a longtemps que j'écris et que je sois primé par des jeunes gens qui sont mes enfants. J'ai abattu un grand travail d'écriture, des traditions, la conservation de nos traditions. Malheureusement, je suis très mal connu. Et qu'il y ait des jeunes gens dans leurs recherches vont tomber sur un vieillard qui, au soir de sa vie, je suis tout heureux. Mise au devant de la scène, Virginie Ngoloaoué a été sélectionnée comme meilleure écrivaine de l'année. Je vous ai dit que c'était une surprise, mais qu'est-ce que je peux dire? Merci pour ma modeste personne. Je ne m'y attendais pas, mais je dis merci. Quant à Winner Frank Palmer, elle rafle trois prix, à savoir meilleur écrivain critique littéraire, écologique et prolifique. J'ai reçu en ce jour trois prix. Le prix de l'écrivain prolifique, parce que j'ai déjà publié plus de 60 ouvrages, plus précisément 63 ouvrages. Le prix du critique littéraire et le prix écologie. Je suis très heureuse pour cette reconnaissance des éditions Alliance Congo. Et je suis heureuse parce que Dieu, le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, a porté sur moi ses regards. Et je sais que tout don parfait vient de l'Éternel. Ces écrivains ont été honorés à leur juste valeur pour avoir produit des œuvres littéraires mettant en exergue les enjeux écologiques ou spirituels. C'est la deuxième édition du Grand Prix culturel Alliance Congo, que nous avons, le premier a été organisé l'année passée. Et nous avons pensé qu'il fallait récompenser tous les écrivains, tous les hommes de culture. Parce que vous savez, lorsqu'on est dans l'art, c'est un métier difficile. Lorsque vous n'avez pas des gens pour vous encourager, vous n'aurez pas le courage de faire ce que vous faites. Et nous sommes une maison d'édition qui encourage non seulement les auteurs d'Alliance Congo, mais aussi les auteurs des autres maisons d'édition pour qu'ils aient au moins des trophées qui vont les pousser à faire mieux. J'ai vu, il y a eu 11 participants et parmi les 11, il y avait la catégorie spiritualité, catégorie préservation du patrimoine culturel, catégorie écologie, catégorie écrivain de l'année, catégorie critique littéraire, en tout cas il y a eu catégorie photographie, catégorie comédie, en tout cas c'est un ensemble. Nous sommes là pour encourager tout le monde, tant que nous serons là, nous allons aider les culturels à avancer. L'aventure est donc possible car il est temps de se libérer des chaînes de l'emprise de l'analphabétisme pour s'orienter vers les sentiers de la créativité. En effet, l'écriture est un patrimoine intellectuel et culturel. Elle peut aussi permettre de préserver la tradition et contribuer à la protection de la nature. Comme le dit le dicton, les paroles s'envolent, mais les écritures restent.